Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, puisque aujourd'hui on va où? On va Un festival. Ouais, on part à la Japan Touch et la Geek Touch de Lyon, qui se déroule à Eurexpo en ce samedi 7 mai. Alors, j'espère qu'il y a un bon cadrage. On va se maquiller ensemble. Faut savoir que c'est la première fois que je vais aller à la Japan Touch. J'ai fait il y a très longtemps, en 2013, j'étais allée au Toulouse Game Show, mais c'était vraiment plus comme une geek touch. C'était super bien. C'est pas avec qui? Avec la caméra et avec mes abonnés. Comme mes abonnés. Avec les gens qui suivent ma chaîne et qui me laissent des commentaires. Et d'ailleurs, c'était super cool parce qu'on avait croisé Warwick Davis et c'était un très très bon souvenir quand on l'avait vu avec sa petite famille, sans jeu de mots. Et j'avais passé une super journée là-bas. Donc c'est vrai que j'en attends beaucoup de ce festival. Notamment, j'ai très 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 hâte de voir tous les cosplays. Je me dis, on va voir des gens qui ont des talents de fou. Et puis bien sûr, j'ai hâte de retrouver mon amie Myriam, qui vient avec sa famille, qui est en train de battre sur la route. Si ça se trouve, elle va pas tarder à arriver. Donc voilà, je me dis, on va passer une journée formidable tous ensemble avec nos deux familles respectives et on va en profiter au maximum. Donc je ne sais pas si vous faites déjà des conventions, des festivals comme ça qui Et sortent un moi, petit peu. j'adore les festivals. Toi, tu adores les festivals. Oui. Pourquoi? Et oui, est-ce que vous faites des festivals un peu différents des littéraires? Est-ce que voilà, il y a des choses qui vous animent particulièrement en convention? Moi, j'aime bien, vraiment, je suis très 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 excitée depuis hier soir à l'idée d'aller là-bas. Moi Donc voilà, je vous reprends tout à l'heure à l'arrivée au festival.
Bonjour, je vous retrouve, on est le lendemain donc, de ma journée à la Japan Touch et Geek Touch. Je reviens vous faire un petit retour feedback sur cette super journée qu'on a passée, c'était vraiment génial. Pour vous dire en quelques mots, très intense, très rythmé. On est arrivé à 10h30, on est reparti à 18h30. Ne vous inquiétez pas, si jamais on est un petit peu coupé, il y a ma fille qui est à côté, donc c'est possible qu'elle va venir faire des petites apparitions. Au niveau des prix, c'était 14€ par personne. Tous les enfants qui avaient fait de moins de 10 ans, c'était gratuit. Pour la venue le dimanche, c'était 11€. Et en fait, je crois qu'il y avait un tout petit peu moins d'animation prévu que le samedi. En termes de parking, on a payé un peu moins de 11€. Je pensais qu'on en aurait eu pour plus cher. Au niveau de la restauration, il y avait un monde de fou. On a voulu manger en plein rush, donc c'était bien 1h moins le quart. Il y avait une queue assez longue pour accéder. Une tête de ballon. Mais par contre, il y avait quelques camions latéraux, en fait, où on a pris à manger et on a franchement super bien mangé. On s'en est tiré pour 30€ pour nous trois, donc on avait pris des nouilles, des bobounes et des nems. Bien évidemment, ce qui était génial, c'était de retrouver mon amie Mimi, que j'embrasse fort, parce que je sais qu'elle va passer par là forcément, je sais qu'elle va vouloir voir le vlog. C'était trop bien de la retrouver, c'était génial. En fait, elle est fan de l'Attaque des Titans, mais quand je vous dis fan, c'est vraiment incroyable. Et quand on est arrivé, c'était en plein pendant la conférence, donc il y avait une scène où il y avait pas mal de cosplayers. J'ai pu la voir en pleine fangirl attitude et c'était trop bon de la voir comme ça, j'ai trop kiffé. On va revenir sur l'ambiance générale de la Japan Touch et de la Geek Touch. Déjà des costumes de partout, c'était génial. C'est vraiment ce qu'on aime nous dans les festivals imaginaires. C'est une parenthèse, on se coupe, on se déconnecte du monde. Tout le monde se sent tellement bien, mais ça se ressent. Les gens ils sont tellement heureux de mettre leurs costumes, d'être en mode cosplay, incarner des personnages qu'ils adorent dans les animés, dans les jeux vidéo, dans des films, dans plein d'univers différents. On se bat
balade là-bas, mais c'était vraiment génial. C'est vraiment cette ambiance que j'ai ressentie. On a vu des personnages, vous avez vu dans la vidéo, absolument magnifiques. Au niveau des stands, alors il y avait plusieurs parties en fait, hein. Il y avait une partie de créateurs, ensuite il y avait des stands de vendeurs, il y avait des figurines, il y avait des kimonos, il y avait des t-shirts. Le seul petit bémol à ce niveau-là, c'est qu'en fait j'ai pas trouvé qu'il y avait autant de stands de figurines que j'aurais aimé voir. Je pensais en voir vraiment partout. J'espérais voir aussi, et mon conjoint pareil, on espérait voir plus de figurines qui représentaient les jeux vidéo ou un peu le rétro gaming. Au fond, donc on avait un espace qui reprenait un petit peu des séries, avec quelques décors en fait de Friends, La Cassette des Papels, il y avait Walking Dead, il y avait deux autres, je sais plus ce que c'était, il y avait deux autres décors. Bon, c'était des petits décors assez rapides, je sais pas ce qui m'a le plus bluffé. Il y avait une scène où il y avait des dinosaures, ils ont refait un univers un peu à la Jurassic Park, Jurassic World précisément, puisqu'on a vu Blue, ça nous a fait peur. Ma fille a été un peu traumatisée sur ce moment-là. Aussi, il y avait toute la partie Geek Touch, donc il y avait tout ce qui était jeux vidéo. J'ai pas eu le temps d'aller voir vraiment cette partie-là. Par contre, il y avait toute une partie de Just Dance. J'ai adoré dans les stands aussi, c'est qu'en fait, on est tombé sur un stand où ils avaient mis des clips de BTS et de Blackpink. Et en fait, les gens, ils connaissent les Corées par cœur. Et c'était bluffant, j'ai adoré. C'était ouf, c'était vraiment trop bien ce qu'ils faisaient. Une petite partie Lego Playmobil, mais elle était très légère. Il y avait une petite partie avec des jeux de société à tester, avec de la publicité pour Octogone. C'est un salon où on ira très probablement cette année, vu que notre fille commence à être grande et qu'elle commence à beaucoup aimer les jeux de société. Là, c'était vraiment une ambiance vraiment top et avec beaucoup de gens costumés. Petit moment fort, outre mes retrouvailles avec Mimi, ça a été quand mon conjoint a motivé Angéline à monter sur le podium. C'était tellement émouvant et ça remplissait le cœur et on était tous les deux très fiers d'elle parce qu'elle a osé aller au-delà de sa timidité. Alors elle souriait pas spécialement parce qu'elle est quand même comme ça, mais elle l'a fait et ça c'était trop bien. Donc une petite Elsa sur le podium. Je vais passer rapidement aux quelques achats qu'on a fait pour vous montrer parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui sont un petit peu curieux de ça. Alors déjà, bien évidemment, j'ai pris une consigne du verre de la Geek Touch, ce que je trouvais vraiment trop trop chouette. Fabien s'est acheté le pendentif de Kaamelott. Il y avait un stand qui était vraiment spécial pour Kaamelott. Pour Angéline, pour l'avoir félicité d'être montée sur le podium, elle a le droit de se choisir une petite peluche. Et donc c'est Yoshi en violet qui est rentré avec nous à la maison. Je suis tombée sur quelques éditeurs qui étaient là, dont Le Héron d'Argent. J'avais repéré ce livre il y a longtemps. J'avais voulu participer il y a quelques années au projet Ulule. J'étais arrivée trop tard et donc j'ai craqué. Les illustrations sont tellement magnifiques. Elles sont réalisées par Chitak. Et le livre est tout vraiment très très beau. Il y a vraiment tous les contes de notre enfance avec un petit peu, je crois, les moralités. Je me dis que ça pourrait être sympa aussi le jour où ma fille sera en âge de lire quelques contes. Les Ronds d'Argent font énormément d'albums. J'ai vraiment hésité entre trois beaux livres comme ça et c'est vraiment des contes qui m'ont tapé dans l'œil cette fois-ci. Nous, en tout cas, ce qui est sûr de notre côté, c'est qu'on participera très très certainement à la prochaine édition. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce vlog. Ça fait très longtemps, ça fait quelques années maintenant que je n'en ai pas fait, donc j'espère que j'aurai réussi à vous immerger avec moi dans l'ambiance. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao.